Joseph, l'inclusion, il suffirait de presque rien. Tu poses toujours cette question aux invités. Pour toi, ce serait quoi ce presque rien? Ce qui m'a fasciné en écoutant les récits de vie des gens, c'est à quel point le devenir d'une vie se joue sur des bêtises, quoi. Des toutes petites choses, hein. Une rencontre, une discussion, ou pas. Hein. Et telle personne, dans le domaine du handicap, se retrouvera à vie dans un établissement clos, alors qu'elle aurait pu être dans un tout autre cadre, à cause de sa présence tel jour, telle heure. Si elle n'avait pas été là, peut-être que sa vie aurait eu un autre tournant. Pour moi, c'est un peu l'aiguillage, hein, l'aiguillage ferroviaire, qui ne bouge pas de beaucoup, mais il change totalement le parcours de vie de la personne. Et je crois que ce presque rien, ce peut être une rencontre qui a été faite, qui a semblé être insignifiante, totalement secondaire, mais qui, quelques années plus tard, a des effets massifs. On parle de l'effet papillon, par exemple. Il y a un petit papillon quelque part qui bouge des ailes et ça déclenche des tempêtes, je ne sais pas, 6 mois plus tard. Ouais. Et sur le plan humain, c'est totalement vrai. Et pour moi, c'est presque rien. C'est peut-être cette bonne orientation dans la suite de la vie, quoi. Et je pense qu'on n'a pas assez réfléchi sur ces petits riens qui font ce que nous sommes finalement. Ça commence par tendre la main à petits et grands. Commence par diffuser nos différences sur grand écran. Liberté, égalité, pas qu'à l'entre deux tours. Il suffirait de presque rien s'unir, c'est déjà beaucoup. C'est un peu le projet de Human Diversity, où à tous les étages, c'est ce petit rien qui peut à un moment influencer peut-être une décision. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Montrer peut-être un autre point de vue? Cette prise de conscience aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus critique. C'est que tout simplement l'appareil administratif, cette machinerie-là n'a pas l'être humain handicapé en son cœur. Cette machine a été construite pour un certain profil d'activité, pour un certain domaine d'expertise. Cela n'a pas été façonné en ayant en tête les profils des personnes différentes, parce qu'elles n'ont pas été fabriquées pour cet effort d'inclusion. Et je crois qu'il faut repenser complètement non seulement l'âme des hommes politiques, mais tout simplement tout l'appareil, quoi. Et il y a parfois des hommes, femmes politiques d'excellentes intentions, même qui parfois connaissent le handicap. Comment arriver justement à montrer qu'on a tous à y gagner? On parle de mécanismes. Ces mécanismes, en fin de compte, ils se retrouvent à plein d'endroits. Depuis le temps que tu es là-dedans, est-ce que tu vois une évolution où c'est quand même toujours des projets flash? Malheureusement, je crois qu'on a beaucoup de projets flash. Quand les choses se passent à plus petite échelle, une échelle plus humaine, plus décentralisée, on peut, je crois, avoir plus de chances pour atteindre l'inclusion. Alors, bien sûr, on peut citer telle ou telle entreprise qui inclut des personnes handicapées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces entreprises-là, c'est le grand patron qui tape du poing sur la table et qui exige que, par exemple, l'inclusion soit réalisée, par exemple, dans cet atelier. Voilà. Et ça, d'ailleurs, ça explique pourquoi ces projets d'inclusion ne sont que très difficilement duplicables. Oui. C'est vraiment lié à une... C'est lié à une personne, c'est lié à un environnement, c'est lié à un espace relativement restreint. Et on le voit dans le médico-social aussi. Selon le tempérament, soit la personnalité de tel ou tel responsable, un même lieu peut virer presque entre paradis et enfer, ou l'inverse. C'est très frappant. C'est vraiment une question de qualité humaine de tel ou tel responsable. Et il y a comme ça quelques personnes qui ont pu, de façon totalement isolée, changer la donne dans un espace géographique donné. Justement, on a reçu hier Jia Saravan. Donc je pense que dans son service, il doit y avoir un état d'esprit
guider par rapport à son feeling, quoi. Je pense que c'est pareil partout. Oui, évidemment, merci. On peut citer le docteur Saravan, hein, mais malheureusement, il faut rajouter aussitôt qu'il a été véritablement confronté à des difficultés monstrueuses par rapport à son environnement professionnel, par rapport à ses confrères, hein, alors que théoriquement, qui serait contre l'inclusion. C'est ça le fameux argument. Les Américains appellent ça le racisme sans raciste. Si vous interrogez des gens, bonjour, êtes-vous raciste? Oh non, moi jamais. Mais, bref, on a un peu ce même cas de figure dans l'inclusion. Qui serait contre l'inclusion? Mais à condition que ça ne m'affecte pas, à condition que je n'ai pas à faire d'efforts, à condition que je n'ai à rien à changer dans mes petites habitudes de vie. Et aussi, nous avons une petite épreuve traditionnelle. Imaginons qu'il y ait face à vous un bouton magique. Ouais. En appuyant sur le bouton, le handicap disparaîtrait. Est-ce que vous appuieriez sur le bouton? Et la question que tu poses souvent, surtout aux personnes handicapées que tu interviews, c'est si tu avais toi un bouton, ce fameux histoire de bouton, est-ce que tu appuierais sur le bouton? Je pense que ça, honnêtement, ça dépend des moments, quoi. Certains peuvent faire le brave ou le faux brave en disant « moi, jamais », quoi. Ouais. Mais quand on voit le parcours de vie qu'on a eu, que les gens handicapés ont eu et que j'oserais dire « j'ai eu », rétrospectivement, je pense qu'il faut être honnête, qu'à certains moments de la vie, on a bien eu envie d'avoir ce type de bouton. Quoi, hein. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, non. Ouais. Ah, et justement, je crois que notre objectif, notre en tant que collectivité humaine, hein, j'entends, notre objectif devrait être de permettre aux personnes handicapées de ne pas avoir envie d'appuyer. Hein. Ça devrait être l'objectif. Quoi, hein. Je parle avec un petit brin d'accent potache de ce bouton-là. Oui, mais en fait, l'idée, il y a quelque chose de moins rigolo derrière. Il y a les idées de suicide, etc. Quoi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de suicide chez les personnes handicapées, chez les personnes différentes. Donc, c'est un peu une façon qui se veut humoristique d'aborder indirectement ces choses-là. Mmh. Et lorsque quelqu'un me dit qu'il ne souhaite pas appuyer sur le bouton, quand c'est sincère, ben je suis content parce que ça veut dire que la personne a pu cheminer, a pu trouver un certain équilibre de vie. Hein. Et ça, j'allais dire, là c'est presque mission accomplie. Hein. La différence est un chemin qui croise parfois nos destins. Ce qui est important, c'est d'arriver à se comprendre. Enfin, l'idée maîtresse, à mon avis, elle est là. C'est d'arriver, c'est un peu le projet aussi, c'est d'essayer, à travers des interviews, d'avoir le parcours d'une personne. Comment arriver à donner cette envie de se comprendre dans un monde dans lequel, bon... Donner envie de se comprendre, il y a un gros problème là derrière, je crois. Que nous sommes dans un monde où il y a une inégalité absolument majeure. Pire que l'inégalité de richesse, on parle toujours des inégalités de richesse, mais il y a pire encore, c'est l'inégalité de l'attention portée à telle ou telle personne. Et de plus en plus, je me dis que notre monde est centré même pas sur l'argent que telle personne a, mais sur l'attention dont elle bénéficie ou pas. Et là, si on mesurait les inégalités, on serait, je crois, tellement frappé, quoi, hein, parce qu'il y a tant de gens qui ne bénéficient d'aucune, littéralement aucune attention humaine. Alors, pas que des personnes handicapées, on est d'accord. Hein. Et je pense qu'une grande catégorie de la population, dans ce cas de figure, sont les personnes âgées. Hein, dans les cultures occidentales, c'est dramatique. Hein, hein, il y a une absence totale d'attention. Si vous ne bénéficiez d'aucune attention humaine, comment, par exemple, votre vécu sera pris en compte? Il ne le sera pas. Et tout pourra vous arriver, même les pires choses, et personne
ne trouvera ça surprenant ou anormal. Mmh. Hein, et nous arrivons de plus en plus dans une société où ce sentiment, on va dire, humain élémentaire, hein, basique, comme diraient les Américains, à ça de compassion entre une personne et une autre, c'est de plus en plus gommé. Hein. Il est humain, et ça a été comme ça de tout temps, de connaître un tout petit peu ses voisins, quoi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est clair. Et c'est de moins en moins le cas. Et à l'inverse, il y a des attentions manipulées, artificielles, focalisées, ultra-focalisées sur telle ou telle personne que l'on n'a pas vue, quelque part, qui vit de l'autre côté du monde avec je ne sais quel type de maquillage et autres mises en scène qui, en vérité, ment sur sa propre vie. Hein, et on considère cela comme l'exemple même de la socialisation, de ce terme horrible, réseau social. En fait, ce n'est ni un réseau et ce n'est pas social. Mais justement, enfin, toutes ces modes des jeunes qui, pour eux, le summum, c'est de devenir influenceur, d'avoir des sponsors qui vont lui permettre de rentrer de l'argent. En fait. On a quand même tendance à banaliser ça, ça devient même une façon d'avoir un métier, enfin quelque part. Tout à fait. C'est même le métier le plus rêvé, hein. Ce qui fait le plus rêver. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que la réalité de ces activités n'a absolument rien à voir avec certaines images plus ou moins fantasmées, véhiculées d'ailleurs par les grandes plateformes de vidéos ou autres, parce qu'il y a une manipulation délibérée, hein, notamment de la jeunesse. Aussi, il y aurait tout un combat pour faire comprendre la réalité de ces mirages-là. Et ce système-là est délétère pour les gens dits valides, bien sûr, mais totalement écrasant pour les personnes handicapées. Comment arriver à gérer ça? Parce que c'est quand même grave, le problème de tous ces réseaux où en 30 secondes, persuadé qu'en 30 secondes, on peut arriver à comprendre une histoire. Quoi. Et c'est aussi le problème des formats, tu vois, de 30 minutes qu'on essaye d'avoir. C'est un peu compliqué, parce que 30 minutes, on dit « ouais, mais c'est long, 30 minutes ». Les formats, c'est 30 secondes. Difficile d'expliquer quelque chose en 30 secondes. Ce que je m'apprête à dire n'est sans doute pas politiquement correct, mais on ne peut pas apprendre en un claquement de doigts. Hein. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs, c'est des charlatans. L'apprentissage humain prend des années. C'est un processus long et on doit se transformer soi-même pendant qu'on apprend, sinon ce n'est pas de l'apprentissage, hein, justement. Et donc là, on a cette illusion qu'on a claquement de doigts, on puisse véhiculer des vérités humaines. Hein. Et il y a de plus en plus cette exigence de le dire en une phrase. Hein. Les questions d'inclusion n'auront jamais leur place là-dedans. Il n'y a jamais la maturation. Parce qu'il faut rentrer dans une histoire et c'est plus compliqué. C'est cela. Et imaginez la vie d'une personne autre que soi-même. Hein. Ça ne peut pas se faire, on ne peut pas expliquer en 30 secondes comment vit par exemple un berger dans les montagnes du Yémen, hein, ce n'est pas possible. Hein. Et on a l'impression de pouvoir accéder par exemple à des vidéos de tel ou tel pays, mais en fait on sait de moins en moins de choses sur tel ou tel pays, hein. C'est même dramatique. Quoi, on peut tout trouver sur Internet. Mais de fait on ne trouvera rien. Soyons honnêtes, même quelqu'un qui a l'habitude de passer du temps derrière des écrans, j'en fais partie malheureusement, je crois comme presque tout le monde. Ben, combien de livres a-t-on lu sur un écran? Et peut-être qu'il y a dans la vie de l'être humain profondément une sorte de lutte constante entre ce qu'on peut appeler une sorte de plaisir immédiat et puis ce qui est plus constructif à long terme. Comment arriver à recoller tout ça? Parce qu'on revient à ce que je te disais tout à l'heure, du petit rien à chaque endroit qui pourrait peut-être déplacer un petit peu le curseur, donc avec une certaine intelligence, parce que
quelque part, c'est pas très intelligent tout ça, enfin, si on réfléchit, c'est... La folie dans les affaires du monde n'est pas une chose récente. Hein. Oui. Il y a toujours eu un aspect profondément irrationnel, que ce soit à l'époque de Caligula ou à des époques plus récentes. Hein, ça. Mais peut-être nous avons une chance. Au fond, si on refuse ce système, on est libre presque instantanément. Ces jeux de regard n'ont quasiment aucun pouvoir réel de contrainte. Je pense qu'on peut tout à fait imaginer un autre biotope, un autre lieu de vie, et on peut commencer tout simplement par là où on est dès aujourd'hui. Oui. Et c'est finalement tellement facile. Et on se dit, mais en fait, c'était tellement simple. Oui. C'est le presque rien, là. Oui. On a ce moment de choc, mais en fait, c'était tellement facile. J'y avais pas pensé avant, quoi. Ça donne quand même beaucoup à réfléchir. Faut-il être inadapté pour être heureux? On pourrait parfois presque être tenté de le dire. Hein. Oui. Bon, mais écoute, je te remercie, Joseph. Le monde, je ne sais pas s'il va changer. Non, mais j'allais dire, le monde ne va pas changer suite à notre causerie, c'est évident. Mais par contre, ce qui peut changer, c'est le parcours de vie de telle ou telle personne. Et si cela arrive, ben, je crois qu'on aura gagné déjà. Tout à fait. On peut viser une meilleure qualité de vie de telle ou telle personne. Et je repense, à un ami disparu, Pierre Rabhi. Oui. Il avait beaucoup appuyé avec sa fameuse histoire du petit colibri, d'autres histoires aussi, beaucoup appuyé cette idée de pouvoir créer, je dirais, un meilleur lieu de vie pour soi et pour des gens autour de soi. Et d'une certaine façon, je me dis que quelqu'un comme lui, avec très peu de moyens, ben, il a peut-être mieux réussi que certains grands de ce monde. C'est clair. Mmh. Une pensée pour Rabhi. C'est vrai. Merci. 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 Cap de fin sur toutes les caméras. Aïe.